بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Séance numéro 5 sur le cours de l'ordre dans R, niveau tronc commun, l'année scolaire 2020-2021. Avant de commencer la correction de cet exercice d'application, nous allons faire un petit rappel concernant les intervalles. Prenez votre cahier de brouillon. Vous allez compléter ces expressions mathématiques. Chaque expression mathématique que vous voyez ici peut être représentée par un intervalle. L'ensemble des x qui appartient à R, tel que x compris entre moins 5 et 1. Cette expression peut être remplacée par un intervalle. Et la même chose pour les autres. Vous prenez ce premier exemple, vous passez au deuxième exemple, puis le troisième exemple, le quatrième, le cinquième et le sixième exemple. Ça y est, vous avez terminé. On va commencer par le premier exemple. Je vais l'écrire ici. L'ensemble des éléments x qui appartient à R, tels que x, est compris entre moins 5 et moins et 1. Pour ne pas se tromper, on va imaginer un intervalle, un axe, comme ça, sur lequel je vais représenter les deux nombres moins 5 et 1. Voici le nombre moins 5. Ici, le nombre 1. Et je colore les nombres qui se trouvent entre moins 5 et 1. Voilà cette partie-là. Et j'ai le droit de prendre moins 5. Donc, la position de la collade sera comme ça. Et j'ai le droit de prendre 1. N'est-ce pas? Donc, quel est l'intervalle qui représente cet ensemble? Bien sûr, c'est l'intervalle fermé, moins 5, 1. Passons au deuxième exemple. Ici, on va chercher l'intervalle qui correspond à cet ensemble. L'ensemble des x qui appartient à R, tel que x compris strictement entre moins 7 et moins 1. Donc je vais imaginer mon axe sur lequel je vais poser les deux nombres moins 7 et moins 1. Et je colore, ou bien je peux assurer, je colore cette partie qui correspond aux éléments qui appartiennent à cet ensemble, c'est-à-dire les éléments qui sont compris strictement entre moins 7 et moins 1. Est-ce que j'ai le droit de prendre moins 7? Non, j'ai pas le droit de prendre moins 7. Donc, ici, on pense au petit bonhomme qui prend cette position et le dos, il a son dos vers les éléments qui se trouvent entre moins 7 et moins 1. C'est-à-dire, ce symbole-là veut dire que le nombre moins 7 n'appartient pas à ces éléments qui se trouvent ici à l'intérieur coloriés en rouge. La même chose pour moins 1. نعاود نفكرك بعض الطريقه نقولها بالدارجه احسن. هنا الا بغينا نعرفوا الوضع ديال هاد لاكولاد او هاد المعقوفه، هنا تتخيلوا واحد الشخص اللي هو واقف هالراس ديالو هالقدم ديالو وعاطي بالظهر لهاد العناصر اللي ملونه بالاحمر، يعني بحال تيقول لهم انا ناقص 7 ماشي معاكم. نفس الشيء هنايا pour moins 1. On n'a pas le droit de prendre moins 1 parce qu'on a dit que x est inférieur strictement à moins 1. Il est très loin d'avoir un chars, le waqf, le ras dialo, le kadam dialo, le atib dharo, le had l'anasir, le hal tigulum, ana, machi minnukum, ana machi ma'akum. Donc, l'intervalle qui représente cet ensemble, oui, c'est l'intervalle ouvert, moins 7, moins 1. L'intervalle ouvert, moins 7, moins 1. Maintenant, on va regarder quel est l'intervalle qui représente cet ensemble, c'est-à-dire l'ensemble des x qui appartient à R, tel que moins 2 inférieur strictement à x et x inférieur ou égal à 6. Donc, je vais imaginer mon axe, voilà,
Je pose le nombre moins 2 ici, par exemple, et le nombre 6 ici. Puis, je colore la partie des éléments qui se trouvent entre moins 2 et 6. Est-ce que j'ai le droit de prendre moins 2? Non, pas du tout. Donc, la collade prend cette position. Est-ce que j'ai le droit de prendre 6? Bien sûr, j'ai le droit de prendre 6. La collade prend cette position. Donc, quel est l'intervalle qui représente cet ensemble? Oui, c'est l'intervalle soumis ouvert moins 2, 6. Ou bien l'intervalle soumis fermé moins 2, 6. Fermé du côté du nombre 6. Voilà. Nous allons voir quel est l'intervalle qui représente l'ensemble des x qui appartient à R, tel que moins 2 inférieur ou égal à x, x inférieur strictement à 4 tiers. Imaginons notre axe, le voici. Je prends ici moins 1 demi, ici 4 tiers. Il faut mettre les nombres en ordre. Puis je colore la partie des éléments qui se trouve entre moins 2, moins 1 demi et 4 tiers. J'ai le droit de prendre moins 1 demi, donc la collade prend cette position. Et je n'ai pas le droit de prendre 4 tiers, la collade prend cette position. Donc mon intervalle, c'est l'intervalle soumis fermé, moins 1 demi, 4 tiers. Fermé du côté moins 1 demi. Ou bien l'intervalle soumis ouvert, moins 1 demi, 4 tiers, ouvert du côté 4 tiers. Voyons ici quel est l'intervalle qui représente cet ensemble, c'est-à-dire l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x supérieur ou égal à moins 4. Et il est l'aded, l'ikbar min naqis 4, ou yusawi à naqis 4. غادي نتخيلوا تاني لاكس. هذه فكرة ديال تخيل ديال لاكس راه مهمة بزاف في البداية ديال الدرس، ولكن راه من بعد ما باقيش غادي ترسم لاكس، غادي يولي داك لاكس عندك في الدماغ ديالك، يعني تتخيلوا بلا ما ترسموا. دروك حنا مادام في البداية ديال الدرس ماشي مشكل نرسموا لاكس، ولكن من بعد غتكتشف بوحدك بأنه ماشي ضروري دير لاكس. فوي اي سا فيان باغ لو طون. دونك غادي هنا لو سول نومبر اللي غادي نوضعو هنا هو موان 4، غادي نحطو في الموضع هذا موان 4 باغ اكزومبل ايسي. اي نوبليي با بالنسبه لاكس هنا راه سي بلوس لانفيني وهنا راه سي موان لانفيني، لانه العدد غادي تتكبر في هذا الاتجاه حتى تتمشي الى زائد ما لا نهايه، وهنا ناقص ما لا نهايه. سا سي بلوس لانفيني، دونك جو في دير ايسي بلوس لانفيني، ايسي سي موان لانفيني. فوالا. نشوفو دروكا les nombres qui sont supérieurs ou égaux à moins 4. Bon, ils se trouvent ici. Ces nombres se trouvent ici. Donc, je vais colorier cette partie. Voilà, jusqu'à plus l'infini. Est-ce que j'ai le droit de prendre moins 4? Bien sûr, j'ai le droit de prendre moins 4. Donc, la position du petit bonhomme, c'est comme ça. Donc, quel est l'intervalle qui représente cet ensemble? Bien sûr, c'est l'intervalle fermé, semi-fermé, moins 4 plus l'infini. C'est l'intervalle semi-fermé, moins 4 plus l'infini. Ou kif gilt fil hissa li fat, dima fil l'infini, soit kan anna moins l'infini ou la plus l'infini, dima la collade ouverte. Amour tikoun msdoud. Il a kan msdoud, bhal gilti ra zaid ma lihanaya mhdoud. Ou amour tithad. Voilà. Passons au dernier exemple. Nous voulons savoir quel est l'intervalle qui représente l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x inférieur strictement racine carrée de 2. Imaginons notre axe. Je pose sur cet axe la racine carrée de 2. Ici, c'est plus l'infini. Ici, c'est moins l'infini. Je vais colorier en rouge les éléments qui sont inférieurs strictement à racine carrée de 2. L'adad li sghar min la racine carrée de 2. Had l'adad ki lana. Alors, quel sera notre intervalle?
Oui, notre intervalle commence par moins l'infini et finit par racine carrée de 2. Et l'intervalle, bien sûr, il est ouvert. L'intervalle moins l'infini, racine carrée de 2. Attention à l'écriture racine carrée de 2 moins l'infini, c'est faux. C'est faux. هي ما تبدا بالصغير عاد تتبع الكبير. هنا الصغير هو موان انفيني بي العدد الكبير هو راسين كاري دو دو. دائما ليماجيناسيون ديالك تتكون غاديه بالموازاه مع الشكل ديالك. ها هي موان انفيني تزيد هنا لا فيغول. ها هي موان انفيني لا فيغول سي اي لا راسين كاري دو دو. فوي سي سا. Maintenant, on va corriger notre exercice d'application. Puis on va écrire notre leçon. غادي نكتبوا الباراغراف ديالنا ومن الاخر ديالها بغينا نعاود نكتبوا لا كوريكسيون ديال ليكزارسيس دابليكاسيون. ولا اش تيبان لينا نكتبوا الدرس هو الاول احسن؟ يلا نكتبوا الدرس حقا من الاحسن نكتبوا الدرس هو الاول عاد نكوريجيو ليكزارسيس دابليكاسيون. يلا بروني فوتر كيي دو كور غادي نكتبوا هاد الباراغراف ديال لي زانترفال ومن بعد نصحوا التمرين ديالنا. Grand 3. Les intervalles. DOI est un axe du plan. X est un nombre réel. X est un nombre réel tel que X compris entre moins 2 et 5. L'ensemble formé par tous les nombres réels X avec X compris entre moins 2 et 5 est appelé intervalle fermé. Et notez l'intervalle moins 2, 5. Donc, l'intervalle fermé moins 2, 5 est égal à l'ensemble des éléments x qui appartient à R, tel que x compris entre moins 2 et 5. Représentons cet intervalle sur l'axe DOI. Voici notre intervalle. Donc, la zone rouge représente l'intervalle moins 2, l'intervalle fermé moins 2, 5.
La zone rouge, ou bien la partie colorée en rouge, représente l'intervalle fermé, moins 2, 5. Passons à notre exemple. L'ensemble des nombres réels x tel que x compris strictement entre 2 et 7 par exemple est appelé intervalle ouvert. Et noter l'intervalle ouvert 2, 7. Donc, l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x compris strictement entre 2 et 7, cet ensemble n'est que l'intervalle ouvert 2, 7. Je trace directement cet axe ici. Je pose ici 2, ici 7. Et je colore cette partie-là. En rouge. Voilà. Passons au troisième exemple. L'ensemble des nombres réels x tel que x compris entre moins 1 et 2 est appelé intervalle semi-fermé et noté l'intervalle semi-fermé moins 1, 2. Fermé du côté moins 1. Fermé du côté moins 1. On le lit. Intervalle semi-fermé moins 1, 2. Fermé du côté moins 1. Donc, l'ensemble des x qui appartient à R, tel que moins 1 inférieur ou égal à x inférieur strictement à 2, est égal à l'ensemble ou bien à l'intervalle semi-fermé moins 1, 2, fermé du côté moins 1,
je le représente sur un axe. Je pose ici par exemple moins 1, ici 2. Je colore cette partie, puis j'ai le droit de prendre moins 1 et j'ai pas le droit de prendre 2. Voilà. Cet intervalle moins 1, 2 est appelé aussi intervalle semi-ouvert. Du côté de 2. Donc on peut l'appeler intervalle semi-fermé comme on peut l'appeler intervalle semi-ouvert. Majal nisf mughlaq ou majal nisf maftouh. L'ensemble des x qui appartient à R, tel que 4 inférieur strictement à x, x inférieur ou égal à 12, cet ensemble est égal à l'intervalle soumis ouvert 4, 12. Je passe à la représentation sur un axe. Je pose ici 4, ici par exemple 12. Voilà, et la position des accolades comme ceci. L'ensemble des x qui appartient à R, tel que x supérieur ou égal à 2 est égal à l'intervalle fermé du côté de 2 plus l'infini. Je symbolise ça sur un axe. Voilà mon axe. Je prends 2. Cette partie qui représente plus l'infini et celle-là représente moins l'infini. Donc, les éléments qui sont supérieurs ou égaux à 2 se trouvent ici jusqu'à plus l'infini. Voilà. Ce symbole se lit plus l'infini. Et ce symbole se lit moins l'infini. Zaïd malanéhaya, tout moi, naqis malanéhaya. L'ensemble des x qui appartient à R, tel que x supérieur strictement à moins 3 n'est que l'intervalle ouvert moins 3 plus l'infini. La représentation sur un axe. Donc j'ai ici moins 3. J'ai ici plus l'infini et ici moins l'infini.
et je colore en rouge les parties des éléments, ou bien la partie des éléments qui sont supérieurs strictement à moins 3, et j'ai pas le droit de prendre moins 3 avec ces éléments. L'ensemble des x qui appartient à R, tel que x inférieur ou égal à 5. Cet ensemble est égal à moins l'infini, je vais le mettre en rouge, moins l'infini 5, fermé du côté 5. Représentation sur un axe, je prends ici 5, ici moins l'infini, ici plus l'infini. Je colore les éléments qui sont inférieurs ou égaux à 5. Voilà, ces éléments qui se trouvent ici. Et j'ai le droit de prendre 5. Maintenant, l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x inférieur strictement à racine carrée de 7 est égal à l'intervalle moins l'infini racine carrée de 7. Ouvert, bien sûr, cet intervalle est ouvert. Représentation sur un axe. Je pose ici racine carrée de 7, ici moins l'infini, et ici plus l'infini. Je colore la partie des éléments qui sont inférieurs à la racine carrée de 7, et je n'ai pas le droit de prendre racine carrée de 7. Généralisation. دروك نعمموا هاد النتائج خدينا غير دي زيكزامبل دروك نمروا للتعميم اون فا جينيراليزي سي ريزولتا ا اي بي دو نومبر ريال L'intervalle de nombre réel, bien sûr, tel que A inférieur strictement à B. L'intervalle fermé AB n'est que l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x compris entre A et B. Ça, c'est l'intervalle fermé AB. Donc l'intervalle fermé AB, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x compris entre A et B. L'intervalle fermé, ou bien l'intervalle ouvert plutôt, l'intervalle ouvert AB, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x compris strictement entre A et B. L'intervalle semi-fermé du côté A est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que A inférieur ou égal à x, x inférieur strictement à B. L'intervalle soumis ouvert du côté A, ou bien soumis fermé du côté B, est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que A inférieur strictement à x, x inférieur ou égal à B. L'intervalle A plus l'infini, c'est l'ensemble des éléments x qui appartient à R, tel que quoi?
Oui, tel que x supérieur ou égal à a, tout simplement. L'intervalle ouvert a plus l'infini est égal à l'ensemble des éléments x qui appartient à R, tel que x supérieur strictement à A. L'intervalle moins l'infini B est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x inférieur ou égal à B. Et finalement, l'intervalle moins l'infini B, ouvert du côté B, bien sûr, est égal à l'ensemble des x qui appartient à R, tel que x inférieur strictement à B. Alors, moi, les genres des intervalles LN. Quel intervalle fermé, l'intervalle ouvert, semi-fermé ou semi-ouvert, ouvert du côté B, semi-ouvert du côté A, l'intervalle A plus l'infini, l'intervalle ouvert A plus l'infini, l'intervalle moins l'infini B fermé du côté B, l'intervalle ouvert moins l'infini B. Maintenant, on va corriger notre exercice d'application. Je vais noter d'abord l'exercice d'application ici, puis je vais le corriger après. Et là, vous allez noter comme moi l'exercice d'application juste au-dessous ici. Soit x, y et t, des nombres réels tels que x plus 1, ou bien tels que 5 inférieur ou égal à x plus 1 qui est inférieur ou égal à 11, et 2y moins 1 compris strictement entre moins 4 et 3, et moins 9 inférieur ou égal à 6 moins 2t qui est inférieur strictement à moins 1. À quel intervalle appartient chacun des éléments x, y et t? On va commencer par x. Réponse. On a x plus 1 compris entre moins 5 et 11. Entre 5 et 11. Pour savoir à quel intervalle appartient x, il faut faire quoi? Oui, il faut tout simplement encadrer x. Il faut encadrer x. Autrement dit, il faut éliminer ce plus 1 qui est ici. Pour avoir l'encadrement de x, il faut supprimer plus 1. Donc, pour le supprimer, on ajoute son opposé. Donc, 5 moins 1, ou bien plus moins 1, est inférieur ou égal à x plus 1 moins 1. Ça c'est plus, ça c'est moins. Est inférieur ou égal à 11 moins 1. Donc maintenant, j'élimine plus 1 et moins 1. C'est-à-dire 4 est inférieur ou égal à x, qui est inférieur ou égal à 10. Donc, x appartient à quel intervalle? Oui, il appartient à l'intervalle fermé 4, 10. Dans cet exemple, pour savoir à quel intervalle appartient y, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Il faut tout simplement encadrer y. Autrement dit, il faut éliminer ces éléments qui se trouvent autour de y, moins 1 et 2. On va commencer par éliminer quel nombre? Est-ce qu'on va commencer par 2 ou bien par moins 1? Oui, d'abord, il faut éliminer moins 1 en ajoutant son opposé. Donc, moins 4 plus 1 est inférieur strictement à 2y moins 1 plus 1, qui est inférieur strictement à 3 plus 1. Et vous voyez maintenant, je peux éliminer moins 1 et 1, c'est-à-dire, ou bien équivaut à
Moins 4 plus 3, c'est moins 4 plus 1, c'est moins 3. Inférieur strictement à 2y. Inférieur strictement à 4. Maintenant, je vais éliminer le facteur 2. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, je vais multiplier tous les membres par son inverse. Donc, 1 demi fois moins 3 restera inférieur strictement à 1 demi fois 2, fois 2y, inférieur strictement à 1 demi fois 4. 1 demi fois moins 3, c'est moins 3 demi. 1 demi fois 2, c'est 1. Et 1 fois y, c'est y. Et 1 demi fois 4, c'est 4 sur 2, c'est 2. Donc, à quel intervalle appartient y? Oui, y appartient à l'intervalle ouvert, moins 3 sur 2, 2. Ici, dans cet exemple, on a moins 9 inférieur ou égal à 6 moins 2t, qui est inférieur strictement à moins 1. On nous demande de savoir à quel intervalle appartient le nombre t. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, il suffit tout simplement d'encadrer t. Donc, je vais éliminer ces deux éléments, 6 et moins 2. Je vais commencer par éliminer quoi? Oui, on va commencer par éliminer ce 6. Donc, moins 9, moins 6, inférieur ou égal à 6, moins 2t, moins 6, qui est inférieur ou égal à moins 1, qui est inférieur strictement à moins 1, moins 6. 6 moins 6, c'est 0, ça donne moins 15, inférieur ou égal à moins 2t, qui est inférieur strictement à moins 7. Maintenant, je dois éliminer ce facteur en multipliant tous les membres par son inverse. Et l'inverse de moins 2, oui, c'est moins 1 demi. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Oui, moins 1 demi. Donc, je vais écrire ça, moins 1 demi fois moins 15. Allez-y, dites-moi ce que je vais écrire. Oui, supérieur ou égal à moins 1 demi. Fois moins 2t. Pourquoi j'ai changé le sens de cette inégalité en même temps pour l'autre? Oui, parce qu'on a multiplié tous les membres par un nombre réel et négatif, qui est moins 1 demi. Moins 1 demi avec moins 2, ça donne 1. Ça reste t. Donc, moins 1 demi fois moins 15, c'est 15 demi. Supérieur ou égal à t. Supérieur strictement, moins 1 demi fois moins 7, c'est 7 demi. Et maintenant, on va revenir à notre encadrement original, c'est-à-dire t compris entre, ici je vais mettre ou égal, entre 7 demi et 15 demi. Vous voyez? Conclusion, t appartient à quel intervalle? Oui, elle appartient à l'intervalle soumis ouvert, 7 demi, 15 demi, ouvert du côté de 7 demi. Ou bien, t appartient à l'intervalle soumis fermé, 7 demi, 15 demi, fermé du côté 15 demi. Maintenant, prenez votre cahier de brouillon et on va continuer notre cours. Soit x un nombre réel tel que x, comme vous voyez ici, appartient à cet ensemble, c'est-à-dire l'intervalle fermé moins 2, 4, et en même temps, x appartient à l'autre intervalle 0, 6. X appartient à cet ensemble et x appartient à cet autre ensemble veut dire que x appartient à quoi? Oui, veut dire que x appartient à l'intersection de ces deux ensembles. يعني مثلا نقولوا واحد العدد x ينتمي لواحد المجموعة ونقولوا تاني x ينتمي إلى مجموعة أخرى، بمعنى أن x ينتمي إلى تقاطع هذه المجتمع المجموعتين، فهو عنصر مشترك بين هذه المجموعتين.
Donc x appartient à l'intersection de ces deux ensembles. On écrit x appartient à l'intervalle fermé moins de 4 inter l'intervalle fermé 0,6. Ça se lit inter. Ici, on veut lire cette écriture mathématique, on dit l'intersection des deux ensembles moins de 4, 0,6. Vous savez que un intervalle, c'est un ensemble formé par des nombres réels. Donc, l'intersection de ces deux ensembles ou bien l'intersection de ces deux intervalles. C'est ça comme on lit cette expression mathématique. On peut le lire autrement. On dit l'intervalle fermé moins de 4 inter l'intervalle fermé 0,6. Et on va chercher cette intersection sur l'axe DOI. Donc tu vas tracer un axe et tu vas chercher l'intersection de ces deux ensembles. Tu peux prendre deux couleurs. Tu peux colorier le premier ensemble avec le rouge, c'est-à-dire le premier intervalle moins de 4 avec le rouge, et le deuxième intervalle avec le vert. Et la partie constituée par les deux couleurs rouge et vert, bien sûr, va être l'intersection de ces deux ensembles. بالدارجة غادي تلون المجال الأول موان دو كاتر بواحد اللون بحال مثلا اختار الأحمر، والمجال الثاني زيرو سيس غتختار لون أخضر، والمكان اللي تلاقاو فيه اللونين الأحمر مع الأخضر تمثل العناصر المشتركة بين هذه المجالين أو لانترسكسيون دو سي دو زونسون، تقاطع المجالين. Allez-y, je vous attends. Ça y est, vous avez terminé. Yala, faisons ça ensemble. Radin trail wahed l'axe à wa, de oui. Tien talq mi moins l'infini. Ou tien taïb plus l'infini. Voilà. Et maintenant, je vais poser quatre nombres. Haouma les nombres les indi. Indi moins 2, ou 4, ou 0, ou 6. Ou xnin rtbou, men sghir l'kbir. Donc ces nombres doivent être mise en ordre, parce que ça c'est un axe où les éléments sont sur un axe, bien sûr, sont ordonnés. Donc, quel est le plus petit? Bien sûr, c'est moins 2. Moins 2. Le nombre qui le suit, bien sûr, c'est 0. Puis 4, puis 6. Vous voyez? Donc, maintenant, je vais colorier en rouge l'intervalle fermé moins 2, 4. Ah ouais, moins 2, 4. C'est d'abord l'intervalle d'Yalilou. Puis, en vert, l'intervalle fermé 0,6. 0,6. Où est l'intersection des deux couleurs? Oui, l'intersection des deux couleurs se trouve ici. Vous voyez, dans cet intervalle. Quel est cet intervalle? Bien sûr, c'est l'intervalle 0, 4. Donc, l'intersection de ces deux intervalles constitue un autre intervalle, c'est 0, 4. Donc, x appartient à l'intervalle 0, 4. إذا مثلا نقول واحد عدد إكس محصور بين ناقص 2 و4 وفي نفس الوقت محصور بين 0 و6، يعني أن هذا العدد إكس راه محصور بين 0 و4. Autrement dit, X appartient à l'intervalle fermé 0,4. Donc ça, c'est l'intersection de deux intervalles. Soit X est un nombre réel qui appartient à l'intersection de ces deux intervalles. Alors, prenez votre cahier de brouillon et vous allez tracer ces deux intervalles sur un axe et puis dites-moi quelle est leur intersection. Quelle est l'intersection de ces deux intervalles? L'intervalle ouvert moins 4, 1 du côté moins 4. Ici, l'intervalle ouvert moins 2, 3. Ça y est, vous avez terminé?
Maintenant, on va imaginer notre axe, c'est celui-là. Ça, c'est moins l'infini, ça, c'est plus l'infini. Je pose en ordre mes nombres. Je commence par moins 4, puis moins 2, puis 1, puis 3. Je colore en rouge l'intervalle moins 4, 1, moins 4, 1, celui-là, et en vert l'autre intervalle moins 2, 3, moins 2, 3. Voilà. Et dans cette partie se trouve l'intersection. Donc, quelle est l'intersection de ces deux intervalles? Bien sûr, c'est l'intervalle soumis ouvert moins 2, 1. Soumis ouvert du côté moins 2. Vous voyez? Maintenant, je pose la question directement. Quelle est l'intersection des deux intervalles moins l'infini 7 demi et moins un tiers plus l'infini? Allez-y, prenez votre cahier de brouillon. Vous aurez besoin d'un axe. Utilisez l'axe pour répondre à cette question. Ça y est, vous avez terminé. Maintenant, on imagine notre axe. Ça, c'est moins l'infini. Ça, c'est plus l'infini. Je pose les deux nombres en ordre. Je commence par moins un tiers. Puis 6, 7 demi. Le premier intervalle, c'est moins l'infini, 7 demi. Donc moins l'infini jusqu'à 7 demi. Voilà. Et l'autre, en vert, il commence par moins un tiers jusqu'à plus l'infini. Donc cette partie constitue leur intersection, n'est-ce pas? Donc x appartient à quel ensemble? Ou bien quel intervalle? Oui, il appartient à l'intervalle fermé, moins un tiers, 7 demi. Donc comme vous voyez ici, l'intersection de ces deux intervalles n'est que l'intervalle fermé, moins un tiers, 7 demi. Maintenant, on va regarder et étudier cette situation. X est un nombre réel tel que x appartient à l'intervalle fermé moins 1, 3, ou, j'ai pas dit ici, et ou x appartient à l'intervalle fermé 2, 8. X ينتمي إلى المجال المغلق ناقص 1, 3, ou x ينتمي إلى المجال المغلق 2, 8. Autrement dit, x peut être ici, ou peut-être ici, ou peut-être ici et ici à la fois. بمعنى آخر, x هو عنصر يمكن يكون مشترك بين هذه المجموعتين أو غير مشترك بينهما. Donc, on dit que x appartient à la réunion de ces deux ensembles. On dit que x appartient à la réunion de ces deux ensembles. Et le symbole de la réunion, c'est comme ça, U. Ça, c'est notre union, Ittihad. On dit que x appartient à l'intervalle fermé moins 1, 3, union l'intervalle fermé 2, 8, ou bien x appartient à la réunion des deux ensembles moins 1, 3 et 2, 8, ou bien appartient à la réunion des deux intervalles moins 1, 3, 2, 8. Donc, comment on va trouver ces éléments qui appartiennent soit à l'ensemble moins 1, 3, soit à l'ensemble 2, 8? Vous voyez, je remplace pas mal de fois le mot intervalle par ensemble. Donc on va tracer sur un axe ces deux intervalles et on va voir qu'est-ce qui se passe. Allez-y, faites un essai et trouvez-moi la réunion de ces deux intervalles. N'oubliez pas, pour la réunion de deux intervalles, on prend les éléments qui sont communs et les éléments qui ne sont pas en commun.
كناخذوا العناصر المشتركة والعناصر غير المشتركة بجوجهم. Donc, je passe à la correction. Donc, je vais tracer ici mon axe. Ça, c'est mon infini. Ça, c'est plus l'infini. Je pose les éléments en ordre. Le plus petit, c'est moins 1. Puis, il y a 2. Puis, 3. Puis, 8. N'est-ce pas? Je colore le premier intervalle moins 1, 3. C'est celui-là. Puis je prends une autre couleur pour l'intervalle 2-8. C'est celui-là. Donc, en ce qui concerne la réunion, on prend les éléments qui sont en commun. Finalement, les éléments qui sont en commun. Les éléments mushtaraka. Voilà, ce sont ces éléments qui se trouvent ici. Tanakhdou hado. Ou tanakhdou hatta les éléments qui ne sont pas en commun. Les éléments linéaires. Vous voyez, ou les éléments qui sont là. Il dit les éléments qui sont en commun et les éléments qui ne sont pas en commun. N'est-ce pas? Et ça constitue quoi? Il a dit que les éléments sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ça constitue quoi? Oui, ça constitue l'intervalle fermé moins 1, 8. Donc, x appartient à l'intervalle fermé, moins 1, 8. Donc, si je dis x appartient à l'intervalle moins 1, 8, veut dire aussi que x appartient à l'intervalle moins 1, 3 ou x appartient à l'intervalle 2, 8. C'est ce qu'on appelle la réunion de deux intervalles. Faisons un autre exemple. Vous allez chercher la réunion de ces deux intervalles. L'intervalle soumis fermé 2, 4 du côté 2, union l'intervalle fermé du côté 1 plus l'infini. Allez-y. Ça y est, c'est terminé. Maintenant, on passe à la réponse. On va tracer notre axe. Voilà. Ça, c'est moins l'infini. Ça, c'est plus l'infini. Je pose ici 1, puis 2, puis 4. Je colore l'intervalle de 4. C'est celui-là. Et je colore l'intervalle 1 plus l'infini. 1 plus l'infini. Donc, quelle est la réunion de ces deux intervalles? Oui, on prend les éléments qui sont en commun et les éléments qui ne sont pas en commun. Quelle est la réunion de ces deux intervalles? Bien sûr, c'est l'intervalle 1 plus l'infini. 1 plus l'infini. Parce que, tout simplement, l'intervalle 2, 4 qui est en rouge, il est inclus dans cet grand intervalle. N'est-ce pas? Donc, leur réunion, ça donne le grand intervalle 1 plus l'infini. Prenez votre cahier de cours, on va ajouter ces remarques concernant la réunion et l'intersection des deux intervalles. Vous continuez dans la même paragraphe, intersection et réunion de deux intervalles. X est un nombre réel, tel que x appartient à l'intervalle moins 5, 2 et x appartient à l'intervalle fermé moins 1, 6. On dit que x appartient à l'intersection
deux intervalles moins 5, 2 et moins 1, 6. C'est-à-dire x appartient à l'intervalle moins 5, 2 inter moins 1, 6. Ça se lit inter. On va représenter ça sur un axe. Ça, c'est moins l'infini. Ça, c'est plus l'infini. Je note ici moins 5, puis moins 1, 2 et 6. Attention, les nombres doivent être ordonnés. L'intervalle moins 5, 2. Ici, l'intervalle moins 1, 6. Donc, x appartient à l'intervalle moins 1, 2. Conclusion, l'intersection des deux ensembles moins 5, 2 et moins 1, 6 n'est que l'intervalle fermé moins 1, 2. Passons à la réunion. X est un nombre réel tel que x supérieur ou égal à moins 3 ou x inférieur, donc je change l'exemple. Bilfilbider, c'est un artiste qui un petit lali qu'on nous sait. X appartient à l'intervalle moins 7, moins 1, ou x appartient à l'intervalle ouvert moins 2, 8. On dit que x appartient à la réunion des deux intervalles moins 7, 1 et moins 2, 8. Dans la réunion, des deux ensembles, ou bien de deux ensembles, on prend les éléments communs, et les éléments qui ne sont pas en commun.
Traçons l'axe, ça c'est mon infini, ça c'est plus l'infini. Je pose les nombres en ordre, moins 7, puis moins 2, puis 1 et 8. Je colore les éléments qui appartiennent au premier intervalle, c'est-à-dire moins 7, 1. Voici mon premier intervalle. Et le deuxième, c'est moins 2, 8. Moins 2, 8. Donc, x appartient à quoi? Oui, x appartient à l'intervalle ouvert, moins 7, 8. Je prends les éléments communs et les éléments qui ne sont pas en commun. Conclusion. La réunion des deux ensembles, moins 7, moins 2, plutôt moins 7, 1, moins 7, 1, union, moins 2, 8, est égal à l'intervalle ouvert, moins 7, 8. Et on va terminer notre séance par un exercice d'application. Le voici. Compléter l'intervalle moins l'infini 2 inter moins 3, 5, l'intervalle moins l'infini 4 inter l'intervalle moins racine carrée de 2 plus l'infini, l'intervalle ouvert moins 4, 2 union l'intervalle soumis ouvert 1, 23 du côté 23, l'intervalle ouvert moins l'infini racine carrée de 3 sur 2 union l'intervalle moins 1 racine carrée de 5 sur 3. Ouvert du côté moins 1 et fermé du côté racine carrée de 5 sur 3. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur de l'ATFF2 du collège Bourg Zeitoun Marrakech. À très bientôt.